Bouganga music. Maintenant qu'a fait le sang. Nous sommes des soirs dans ma ville. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des blancs, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la peau. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bout de mal, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Que tu jettes de jure, ce n'est pas les lords. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort, quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé, mais maintenant. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le Rockman est là pour les Roman. Un peu de bœuf pour tous les Jackman. Et on affronte au léant, on est des Donman. Alitré ma bouillotte, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négos, ils te le diront. Toujours entouré par ma famille, on reste posé, mais maintenant. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. J'envoie un truc à ma pied pour les balles. Mafia City, Mafia City. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes midi soir dans ma ville. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fume des clopes. Y'en a qui fume la toy. Y'en a qui fume la beuh. Pour faire marcher un trio. Et d'autres sont douces liés. Si tu es Maudman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit jeu. Bouyaka, Bouyaka music. Maintenant qu'a fait le sang. Nous sommes midi soir dans ma ville. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes. Y'en a qui fument la taille. Y'en a qui fument la peau. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Woodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Que tu jettes de jure, ce n'est pas les lords. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Yeah. Yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé, mais maintenant. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. J'envoie un truc à ma pied pour les balles. Mafia City, Mafia City. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Yeah. Aritrema. Bouyaka. Trop de love, trop de love. Il y a la du matin. Yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le Rockman est là pour les One Man. Un peu de bœuf pour tous les Jack Man. Et on affronte au léant, on est des Donman. Alitré ma bouillotte.
suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. De madame et négo et de le dire. Toujours entouré par ma famille. On va se poser même à ta vie. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la toy, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains pour faire marcher en criant, et d'autres ils sont douces. Si tu es Moodman, on t'appelle. Si tu dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit G. Bouillata. Bokaga Music, Mad Dog a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Woodman, on t'applique. Si tu dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit jeu de juste, ça n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Yeah. 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 Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand le truc à marcher pour les bails. Mafia City, Mafia City. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Aïe, trop oui, dans ma vie, ça ne va plus. Le Rockman est là pour les One Man. Un peu de vœux pour tous les Dark Man. Et on affronte au dehors, on est des Don Man. Aïe, ma bouillotte. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. De madame et négo, ils te le diront. Toujours entouré par ma famille. On va se poser même en famille. Mafia City, c'est ma vie. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand le truc à marcher pour les bails. Mafia City, Mafia City. Qu'est-ce qu'il y a? Tout samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la toy, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains pour faire marcher en criant. Et d'autres sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit jeu. Aïe, très ma gueule. Bouillata. Bokaga Music. Mad Dog a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes. Y'en a qui fument la taille. Y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Woodman, on t'applique. Si tu dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit jeu de jus, ça n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Consignation nationale. Les plus petits sont devenus très vieux. Blanc. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, yeah, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand le truc à marcher pour les bails. Mafia City, Mafia City. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bouillard, gars.
Trop de love, trop de love. Il y a la vie, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus. Le frontman est là pour les woman. Un peu de vœux pour tous les darkman. Et on a photo dehors, on est des hommes. Aïe, ma bouillotte. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans un microphone. De madame et négo, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé, même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la toille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui tournent en bande de deux, yeah. Certains pour faire marcher en criant, et d'autres ils sont douces, yeah. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu dors l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit jeu. Bouillard. Bokaga Music, Mad Dog a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux, c'est un peu fait marcher. Oui, allô? Oui. Oui, tu me suis pas. Oui. Comment tu vas? Thank you.
nous a empêchés via l'éducation, il faut préciser. Je finis d'abord le titre, on se rappelle. Ouais. Ils nous ont trompés via l'éducation. C'est ça la vérité. Tu fais quoi là-bas? Grosse bêtise. Ok, tout à l'heure. Bonsoir à tout le monde, comme vous le savez bien, nous avons commencé un sujet hier et que on va continuer aujourd'hui. Mais avant de continuer, il faut préciser quelque chose que je n'ai pas précisé hier. J'ai commencé par développer ça, mais je me suis arrêté juste au niveau des avocats. Je voulais préciser que il faut que les gens comprennent. Une fois de plus, les gens doivent comprendre. Une fois de plus, les gens doivent comprendre
ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe, c'est que les populations camerounaises se sont mises en marge de la réalité. C'est-à-dire, ils se sont exclus du système sans s'intéresser aux mécanismes du système. Parce que nous sommes dirigés, c'est un système et ce système a un mécanisme. Quand vous entendez, on dit il faut que le barreau, l'Ordre national des avocats, doit éclater en 10. C'est une très bonne chose. Ça, c'est un. Si l'Ordre national des avocats éclate en 10, l'Ordre national des pharmaciens éclate en 10, l'Ordre national des assureurs éclate en 10, l'Ordre national des architectes éclate en 10, l'Ordre national des ingénieurs agronomes éclate en 10, l'Ordre national des délégués médicaux éclate en 10, ainsi que les syndicats. Je vais vous dire pourquoi. C'est facile. L'Ordre national des experts comptables éclate en 10 pour avoir une meilleure visibilité, une très bonne visibilité dans le quadrillage national de certains métiers dont la porte est fermée à certains Camerounais. Clair et net, il y a certains métiers que certains Camerounais n'ont pas accès, alors que le métier, il est libéral. Vas-y donc demander l'accès. L'Ordre national des experts automobiles éclate en 10. Vous allez avoir une bonne visibilité de ce que je suis en train de parler. Une très bonne visibilité. Quand on fonctionne dans le système tel qu'il est présenté à l'heure actuelle, on ne peut pas comprendre ça. Les gens ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Tel que c'est fait maintenant, ils ne peuvent pas comprendre. Non, ils ne peuvent pas. Éclatez ça en 10 et vous allez voir. Vous allez voir apparaître donc ce que je suis en train de parler là. Mais pour le moment, les gens ne peuvent pas seulement voir. Non, la chambre de commerce, on a fini avec la chambre de commerce. La chambre de commerce, on n'en parle plus. La chambre, je fais que vous le dire, à l'heure actuelle, le problème de la chambre de commerce a été réglé. Maintenant, rien que le fait qu'on parle des zones économiques, le problème c'est que les maires reste dans l'ancienne architecture. Ils pensent toujours qu'ils sont liés aux fonctionnaires. Je dis bien,
Je dis bien ceci. Il sera difficile. C'est pour ça que vous les voyez. C'est pour ça que vous les voyez. Ils ne font que faire construction de maisons, construction d'hôtels de ville. Voilà ce qu'ils savent faire. Ils ne savent pas créer la richesse, ils savent dépenser. Donc, cette éducation que nous avons reçue, ce n'est pas de leur faute. C'est l'éducation qu'ils ont reçue. C'est l'éducation qu'ils ont reçue. Même la BEFA ne peut donner que ce qu'elle peut. On ne peut pas aller au-delà. Ils ont reçu une éducation. Et c'est cette éducation qu'ils refusent de remettre en cause. Or, c'est l'éducation le problème. Si vous avez quelqu'un qui est à la tête d'une mairie, qui trouve que sa priorité est de construire 4 murs, et non de réfléchir à prendre l'argent qui va construire les 4 murs avec et d'investir ça ailleurs pour créer de la richesse, pour prendre les bénéfices de la richesse créée pour construire le bâtiment, vous comprenez qu'on ne va pas sortir de l'auberge. Partagez le direct, s'il vous plaît. Vous comprenez qu'on ne va pas sortir de l'auberge. Or, la nouvelle philosophie qu'impose la décentralisation fait que tous les maires doivent d'abord réfléchir comment faire pour créer la richesse dans sa localité. Quand il fait l'inventaire de ses capacités, comment il peut faire pour créer la richesse? Ils ne sont pas dans cette logique. Ils sont dans la logique de construire les bâtiments. Ils sont dans la logique de consommation. Les textes de loi sont clairs. Vous allez voir, dans les textes de la décentralisation, le sous-préfet, son rôle est bien défini. Il veille à ce que les exécutifs respectent la loi. Puis, le sous-préfet, son rôle est bien défini. Que tout ce qu'on organise, qu'on exécute dans une commune respecte la réglementation en vigueur. Les rôles se sont inversés. On dit bien, certains investissements, tu ne peux pas aller au-delà d'un certain montant sans avoir l'aval de ta hiérarchie. Les textes sont clairs. Mais maman, les gars, ils abandonnent ça. Tout se fait dans la construction des maisons. Et quand nous on observe ça, on dit ok, on ne va pas sortir de l'auberge dans bientôt. C'est pour ça qu'il faut que nous on s'organise très bien et comprendre les tenants et les aboutissants. Voir comment nous allons nous organiser pour que les erreurs du passé nous servent d'un point d'ancrage pour notre évolution. Quand le grand frère Amougou Belinga est parti rendre visite, est parti faire un tour au niveau de ses deux tours jumelles, il y a le journaliste qui a dit en 18 mois, voilà où le bâtiment se trouve. Mais la maison en face, qui est un R, écoutez-moi, la maison en face, qui est un R plus 2, a déjà englouti 12 milliards
en 7 ans, elle n'est pas finie. Vous comprenez? Waka. Non, Yomi, il ne faut pas voir l'affaire comme ça. Yomi, parce que si tu vois l'affaire comme ça, c'est que tu n'as pas compris, Yomi. Yomi, même si on éclate les prises de décision, comme tu dis, même si on éclate, le problème, c'est la prise de conscience des gens qui vont exécuter. Et la prise de conscience des populations. Moi, j'attends 2021. Je vais faire la demande. Je vais écrire pour demander aux populations d'aller demander le bilan de la mairie. Ils vont écrire. Vous allez voir. Ils vont écrire. Parce que tant que les populations vont se couper de la réglementation, ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce que la réglementation dit. Mais c'est pour ça qu'on a bâti le système à éloigner la population. La justice. Si tu n'as pas l'argent, tu peux aller en justice. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Yomi, la concurrence n'est pas le seul instrument de développement. Le seul instrument valable de développement est l'honnêteté. Sur l'injection de la chose publique. Si des gens qui accompagnent le président sont animés d'un esprit d'honnêteté, le pays allait être loin. Mais tu le sais bien comme moi, il y a des gens là-bas qu'on a nommés qui a pour fonction défendre les intérêts de la France au détriment des intérêts du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc si tu ne vois pas le problème comme ça, mon frère, tu ne vas jamais t'en sortir. Tu vas rester au niveau primaire. Or, il faut monter au niveau secondaire, voire universitaire, pour comprendre ce que je suis en train de dire là. Pour comprendre ça. Et c'est ça qui nous tue jusqu'à présent. C'est ça qui nous tue jusqu'à présent. Moi, je dis encore une fois de plus. Prenons conscience des réalités. Prenons conscience des réalités. Moi, j'aime bien les jeunes qui entrent en politique. J'aime bien Cabral Libye. J'aime bien Matumba. J'aime bien Père à son âme Franklin Dufour. J'aime bien tous ces jeunes qui se lancent en politique pour demander le suffrage des Camerounais. Mais il y a une chose que vous ne devez jamais perdre de vue. La politique, c'est un individu. Si quelqu'un
ne sait pas que la politique, c'est un individu. Je ne sais pas. Comment cette personne va encore faire pour comprendre l'affaire-là? Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Et en Chizamba. Ouais. Ayombande. Banani Kasso. Namuto nana dodi muna odotondi muto na dodi. Namuto nana dodi muna namuto nana muto nana dodi. Bon, les amis. Nous, je pense bien, nous avons compris bien cette affaire. C'est pour ça que nous nous disons que cette affaire-là, pour continuer, est-ce que vous vous rendez compte que les gens font des posts? Ils disent vraiment, il faut soutenir les agriculteurs. Vraiment, ce n'est pas sérieux. Les agriculteurs sont en train de se suicider. Vraiment de Dieu, vous trouvez normal qu'on vende le cajou de tomate à vraiment 750 francs. Vraiment de Dieu, il faut que le gouvernement vienne en aide aux gens parce que c'est pas bien. Mais quand le marché était florissant, personne n'a dit à aucun moment que le gouvernement octroie les subventions aux agriculteurs. Quand les affaires étaient florissantes, les agriculteurs sont partis du prix du cajou de tomate qu'ils vendent au Gabon, au Congo, en Guinée équatoriale. Ils l'ont imposé au Cameroun. Comment vous trouvez que le même prix qu'on vend le cajou de tomate au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo, c'est le même prix qu'on a imposé au Cameroun? Moi, je veux bien qu'on pleure les agriculteurs. C'est pour ça que j'ai dit, quand quand nous allons nous lancer dans l'agriculture, c'est parce que les gens ne sont pas organisés. Ça sera, si je dis ça, ça sera une information secrète. On ne peut pas dire. Parce qu'il faut que les gens comprennent bien. Les agriculteurs, j'ai de la peine pour eux. Je compatis pour eux. Mais, ils doivent souvent savoir que le Covid est venu faire en sorte que des gens comprennent qu'à un certain moment, quand vous tirez trop sur la corde, vous aurez ce qu'on appelle l'ingénierie reverse. Reverse engineering. C'est ça qui arrive aux agriculteurs. Ce sont les agriculteurs et les intermédiaires qui ont rendu la vie chère au Cameroun. Un intermédiaire, c'est quelqu'un qui parcourt l'arrière-pays à la recherche de plantations agricoles.
il vient dans la plantation. Lui, il a déjà pris les commandes des clients. Il fait le tour des agriculteurs. Il achète la marchandise dans la plantation. Donc, il achète la production. Puisque l'agriculteur, pour lui, se dit, ok, je gagne quand on vient prendre tout dans la plantation. Maintenant, l'intermédiaire là, il est le premier. Il avance, un autre intermédiaire prend. Jusqu'à celui que vous voyez là au marché, vous pensez que c'est pour lui, c'est pas lui. C'est un autre intermédiaire. C'est un autre intermédiaire. Moi, j'ai remarqué une chose ici dans ce pays. Il y a ce qu'on appelle le partage du travail. Je vais vous expliquer. Les petits métiers, comme par exemple les entreprises qui font dans les services, le nettoyage des bureaux, des grandes surfaces. Vous pouvez avoir dans une entreprise, comme chez nous, là où moi je travaille. Il y a trois entreprises qui font le nettoyage. Ils sont trois. Ce n'est pas qu'on donne à une personne ce contrat. Il y a trois entreprises qui font le nettoyage. Une personne fait de lundi à mardi. Il y a deux jours de nettoyage chez nous. Une autre personne vient aussi prendre deux jours de nettoyage. Une autre personne vient prendre un jour de nettoyage. Donc, vous voyez que en Afrique, une seule personne va avoir le même contrat d'entretien chez Bolloré, chez Maes, chez Jetma, chez Transimex, chez Sokoma. Il confisque le travail pour lui seul. Le travail qu'on appelle le travail d'entretien, qu'on sait que on n'a pas besoin de demander une expertise, une qualification. Lui, c'est la propice seule. Parce qu'il a ce qu'on appelle le carnet d'adresse. Oh, ici, on fait le partage. On sait qu'on n'a pas besoin de demander une formation spécifique pour nettoyer le sol. C'est comme ça. Mon frère Yomi qui parle de concurrence, de développement, il n'y a que la concurrence qui va faire le développement. Yomi, dans les conditions actuelles au Cameroun, la concurrence ne va pas régler le problème parce qu'il y a un monopole en amont. Comment je vais faire pour concurrencer les gars qui contrôlent la quincaillerie? Comment tu vas faire? Tu vas faire comment? Il a une assise dans la quincaillerie depuis 20 ans. Et toi, tu vas venir dire que tu vas faire la concurrence, tu vas le concurrencer. Sans avoir une puissance financière derrière. Tu ne t'en sors pas. C'est pour ça que fonctionner comme tu dis là, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas aller concurrencer quelqu'un qui a 20 ans d'expérience sur le terrain. C'est un peu ce que je fais souvent chez moi là où moi je travaille. Comme je n'aime pas dire que j'ai fait. Je n'aime pas utiliser le langage. J'ai plus de 20 ans dans la mécanique. J'ai plus de 20 ans dans la mécanique. Je fais toujours semblant comme si j'étais nouveau. Moi, pour ne pas frustrer les gens, moi, je préfère me minimiser. Même quand vous discutez mécanique, je ne vais pas m'asseoir là-bas loin. Je ne veux pas venir écouter des bêtises. C'est comme ça. Moi, c'est ma philosophie. Et ça m'aide beaucoup. C'est la même chose. Tu ne peux pas aller, tu ne peux pas t'en sortir. Quand tu parles concurrent, c'est la même chose avec Coca-Cola et Pepsi. Et Pepsi l'a bien compris.
que je dois juste chercher à vendre mon produit. Je ne dois pas chercher à dire que à tout que je veux concrétiser Coca-Cola pour l'évincer. Non. Parce qu'au départ, c'était comme une guerre entre Coca-Cola et Pepsi-Cola. À la fin, ils se sont rendus compte que chacun a son client. C'est comme ça. Chez nous, tu ne peux pas concurrencer le gars de la quincaillerie. Si tu n'as pas une puissance financière derrière qui te suit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les gars vont te broyer. Ils vont se brosser les dents avec toi, propre. Vous comprenez bien que tout ce qu'on parle là, vous voyez bien qu'on parle de l'économie. Nous sommes là, nous sommes en plein dedans. Donc ça fait que, quel que soit ce que nous allons faire, l'économie sera toujours en bonne place. Tournons comme on veut, c'est l'économie qui sera en bonne place. C'est l'économie qui sera en bonne place. C'est l'économie qui sera en bonne place. C'est pour ça qu'il faut que les populations et les maires comprennent pourquoi ils doivent changer de manière de faire des choses. On construit les maisons, on construit la mairie, on construit la mairie, on construit la mairie. Les gars sont toujours dans le budget de fonctionnement. D'investissement. Investir sans avoir une rentabilité, ça n'en vaut pas la peine. C'est pour ça que j'ai dit, pour que nous, quand on se lance là, pour attaquer l'industrialisation, il faudra qu'on soit sûr qu'on a une entrée de devises claire. Parce qu'il va falloir acheter les machines, on n'achète pas les machines avec le franc CFA. On achète les machines avec les devises. On achète les machines avec les devises. Donc, s'il faut que nous, on entre dans l'industrialisation de la transformation de nos produits, il va falloir acheter les machines. Et vous pensez qu'on va acheter les machines avec le maïs? Non. Il faut avoir une culture qui va nous permettre d'avoir des devises. Faciliter l'achat de nos machines. C'est comme ça qu'il faut réfléchir et voir. C'est pour ça que les gens sont venus avec une philosophie de vous dire, laissez le cacao, ce n'est pas une bonne culture, mais si vous laissez le cacao, vous êtes mort. Vous êtes haché. C'est-à-dire, vous avez creusé vous-même votre tombe. Parce que le système tel qu'il est, vous abandonnez le cacao, vous êtes coupé des devises, vous n'allez plus jamais rattraper vos frères qui ont déjà pris l'avance. Vous ne pouvez plus. Quand vous allez rester avec le franc CFA, ils auront un stock de devises. Or, c'est notre stock de devises qui a fait en sorte qu'on pourra rattraper notre retard. Nous pouvons décider. On peut décider du jour au lendemain. Dit, en 2035, il nous faut avoir la plus grande clinique du Cameroun. S'il faut avoir la plus grande clinique du Cameroun, la question qu'on va se poser, on aura besoin de quoi dans ce centre hospitalier? Je prends un exemple, hein, qu'on se comprenne bien. On va dire, on aura besoin de médecins généralistes. On aura besoin de spécialistes. Et on va dire, quel type de spécialistes on aura besoin? Écoutez-moi les amis, vous allez dire on aura besoin de neurologues, on aura besoin de urologues. Donc vous énumérez un ensemble de spécialistes et vous vous posez la question qui va suivre après. Est-ce que nous avons les enfants de la forêt qui ont ces formations? Vous voyez? Simple. Tout
ce qu'on fait part toujours sur la base de l'idée. Je veux bâtir un centre hospitalier. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un terrain. Ok. Après le terrain, il faut l'argent pour construire les bâtiments. Ok. L'argent pour construire les bâtiments. L'argent pour équiper. Ok. Maintenant, quel genre de soins on va administrer là-bas? On va nous dire la pédiatrie, on va nous dire la maternité, on va nous dire la chirurgie, on va nous dire... Vous voyez donc, à partir d'une simple idée, vous trouvez qu'il y a tellement de choses à faire. On appelle ça organisation. Tout est basé sur l'organisation. Ceux qui pensent que l'État est omnipotent, omniprésent, doivent commencer à déchanter. Nous devons nous prendre en charge en fonction de nos besoins. On essaie d'élaborer les stratégies. Comment arriver à apporter des solutions à bas coût pour nos besoins? Je vais vous montrer une vidéo, une petite vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je bois un peu de l'eau. Je vous montre une petite vidéo. Je vais vous montrer une petite vidéo. C'est une petite vidéo qui va montrer, face à un besoin, en fonction de nos moyens, de nos capacités, on trouve une solution à bas coût que nous pouvons supporter. Et je vais vous montrer ça. Cette petite vidéo, elle va parler à chacun de nous. Je vais vous montrer cette vidéo. Des gens qui vont dire oh c'est quoi ça, oh c'est quoi ça, mes chers amis, on a résolu un problème à bas coût avec un petit téléphone, on appelle une petite ambulance tricycle, ça vient dans le village. Ça porte une dame
qui doit aller à l'hôpital pour accoucher. Vous voyez, face à un problème, en fonction de nos moyens, on adapte nos besoins doivent toujours s'adapter en fonction de nos réalités. Quand vous venez construire, aller dans une commune comme la commune des Écap, vous construisez une mairie qui coûte 400 millions. Vous allez l'entretenir avec quoi? Vous allez l'entretenir avec quoi? Dieu seul sait si le maire des Écap prenait ces 400 millions et disait « J'investis dans l'agriculture. » Dieu seul sait. Mais au lieu de ça, on a pris les 400 millions, on a posé à terre, on a dit on a construit la mairie. C'est cette perception qu'il faut enlever des cerveaux de nos compatriotes et des fonctionnaires en particulier. Parce que 80% des maires que nous avons au Cameroun, c'est les anciens fonctionnaires, voire des fonctionnaires en activité. Je suis désolé. C'est la vérité. Vous déposez 400 millions pour construire une maison. Et c'est pour ça que moi, je continue à dire aux gens que la seule chose qui va faire en sorte que les Camerounais prennent conscience de leur potentialité, c'est de revenir à l'orthodoxie du réel. Tant que des gens vont s'organiser pour tromper les autres, on va arriver là où nous sommes là aujourd'hui là. Si on disait à notre père Chandratomi qui a dissous le lac, hein? Écoutez-moi bien. Si on disait à notre père Chandratomi qu'il allait un jour dissoudre le lac, hein? Si on disait à notre frère, notre père, Chandratomi, qu'un seul jour, il allait créer un mouvement populaire pour la réconciliation nationale, il n'allait pas accepter. Parce qu'il a eu l'intelligence et la capacité de se dire, mais est-ce que nous avons bien fait? Moi, je le respecte pour ça. Je le respecte pour ça énormément. Avoir la capacité de juger ses propres actes et de conclure qu'on a mal fait. C'est ça qu'on appelle les grands hommes. Il a montré, le patron m'a montré qu'il est grand. Parce que du moment où il se rend compte de là où, comment les gens sont en train de creuser, les replis, chacun se sacque-boute, la déflagration qui va venir. Ouais. C'est pour ça que
quand vous me voyez, je dis que nos aînés doivent arrêter de lutter. Ils sont en train de se fragiliser. Je sais de quoi je parle. Parce que la manipulation ayant échoué, si la manipulation échoue, et que toi qui es venu pour manipuler, tu ne comprends pas. Et tu continues, comme on voit Maurice Kamto et ces gens qu'on fait là. Aujourd'hui, quand vous voyez notre petit frère Bibou Nissa, vous vous posez la question, il travaille où? Sûrement. C'est ça qui est la question. Vous vous posez la question, il travaille où? C'est pour ça qu'il faut être tellement intelligent et savoir ce qu'on veut. Il ne faut jamais oublier, là, quand je vous dis tous les jours ici, que la politique, c'est les individus. Aujourd'hui, quand on voyait Boubou Nissan à Yaoundé, monte avec la voiture, Nissan avec la voiture. Il n'a jamais travaillé. Donc, vous comprenez que la politique l'a servi, lui. C'est ça que vous devez voir. C'est pour ça que dès que vous êtes dans un pays africain, la seule chose que vous avez à faire, c'est soutenir le président qui est en place. Ne réfléchissez pas, eh. Ne réfléchissez pas. J'ai entendu un de nos frères qui est là aux États-Unis qui dit, vous parlez du Cameroun, vos passeports sont fabriqués en France. Votre argent est fabriqué en France. Moi, je me pose toujours la question de savoir, est-ce que nous, les Camerounais, parfois, est-ce que nous sommes sérieux? Qui me cite, je veux qu'on me cite un seul pays africain en dehors de l'Afrique du Sud. Qu'on me cite un seul pays africain qui a le brevet de la transformation du bois en pâte à papier. Moi, je ne sais pas comment les gens veulent, je ne sais pas, parfois je reste moi, je dis, mais qu'est-ce que ces gens veulent nous dire? Il n'y a aucun pays africain en dehors de l'Afrique du Sud. Il n'y a aucun pays africain qui a le brevet d'invention de la pâte à papier. Aucun. Je vais aussi vous montrer une autre vidéo. Je vous montre une autre vidéo parce qu'aujourd'hui, avant de venir sur la lecture, il y a beaucoup de petites choses que je vais vous montrer. Je vais vous montrer une autre vidéo. Et je vais même envoyer ma fille là-bas. Je vais vous montrer cette vidéo. Vous allez comprendre et vous allez voir de qui sont à la tête. Savoir,
la vidéo. Regardez. Par ces gestes symboliques, le Cameroun compte désormais parmi les pays possédant une école de codage informatique. Son nom de baptême, Bilap. À l'origine de cette réalisation, Ariel Kitio et William Elon, deux jeunes entrepreneurs camerounais du secteur des TIC qui ont fait leur preuve à l'international. Deux parcours métiers sont proposés aux jeunes Camerounais. Le premier parcours qui est le parcours back-end, enfin, les techniciens comprendront, c'est ce qui permet en fait de créer le moteur derrière une application. Et le parcours des métiers de l'interface, ce qui fait joli, ce qui fait attractif, principalement basé sur les technologies JavaScript en fait. Donc c'est une formation accélérée de 12 semaines qui va permettre aux jeunes d'avoir des compétences de haut niveau. Dès octobre 2020, les premiers apprenants vont être initiés aux différents programmes de codage informatique tels que le langage Python ou encore le JavaScript. La formation se fera en présentiel et en ligne grâce au partenaire israélien Developers Institute. C'est un partenariat privé entre ces deux structures qui va permettre à terme de former de nombreux jeunes Camerounais au métier du coding et donc à devenir des développeurs grâce à un savoir-faire et des technologies israéliennes qui ont fait leurs preuves. Au terme des 12 semaines de formation, les lauréats vont bénéficier d'un accompagnement personnalisé en vue d'une insertion professionnelle aisée. Vous voyez que on est en train, les jeunes là, William Elon et notre jeune sœur, c'est le chemin à suivre. 12 semaines, tu auras la capacité de créer, c'est parce que je parle ici tous les jours. Tu auras la capacité de créer une application, savoir le langage du codage informatique. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je peux avoir mon bac en comptabilité, bac en langue, bac machin. Tu peux, c'est un métier. Tu as 12 semaines, on te l'apprend. 12 semaines, on te l'apprend. Donc, vous voyez que c'est cette révolution qu'il faut. C'est cette révolution qu'il faut. Que les jeunes là sont en train de mettre sur pied. Mais par contre, on gagnerait encore plus en commençant à parler de ça à l'école primaire. Voyez-vous, nous avons eu des aînés qui continue à nous vassaliser le cerveau avec les programmes d'éducation de 1950. On continue avec la formation de tous ces jeunes qu'on appelle. J'ai les diplômes, mais je n'ai pas le travail. Moi, j'ai ma licence, je n'ai pas le travail. Et moi, on continue à les former. On continue à former les aboyeurs, les Bibounissa. Qui s'assoit à la télévision, il dit président élu. Continuez à les former par milliers. Moi je dis vraiment mes félicitations à William Elon et Madame Kitio. Vraiment mes félicitations à vous. Allez de l'avant. Vraiment, nous on vous encourage. Moi je vais envoyer ma fille là-bas. Elle va faire 3 semaines. En octobre, on va d'abord laisser ce qu'elle fait à l'université de Douala. Ce qu'elle fait à l'université de Douala là-bas, c'est pas temps. Elle va faire 3 semaines là-bas. C'est ce qu'on dit. Il faut comprendre l'évolution des choses. Comment les choses marchent. Comment on peut apporter des changements en fonction des réalités sur le terrain. On ne peut plus continuer avec cette éducation. Il faut une révolution éducationnelle au Cameroun. Il faut qu'on arrête avec la formation des gens qu'on va manipuler pour demain. Parce que tout ce qu'on est en train de former là, dans les universités qu'on crée au Cameroun là, c'est des candidats à Paul Biya Mosgo de demain.
ou bien à Flamboyant, en Moscou. Vous voyez des papas qui vont à l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Ils mettent les chaînes dans leurs mains. Ils disent, moi j'ai été enchaîné. Mes enfants ne doivent pas être enchaînés. Mes petits-enfants ne doivent pas être enchaînés. Il est en veste et cravate. Voilà les gens qu'on a formés. Qui ne savent pas que tu peux être docteur et tu choisis être agriculteur. Et je ne sais pas si les gens savent ça. C'est parce que les gens savent ça. Donc, c'est ce que moi je ne fais que dire. Je dis ça tous les jours. C'est nous qui allons développer le Cameroun, rendre ce pays prospère. C'est nous. Si nous réussissons, et nous allons réussir. C'est pour ça que je suis confiant. Parce que je sais, si quelqu'un vous dit, les gens ne savent pas que la révolution industrielle est partie du fait du travail de la terre. Ayant aboli l'esclavage, il n'y avait plus l'homme noir pour travailler. Les gens ont commencé à réfléchir. À ce moment-là, on s'est intéressé à la bibliothèque dans les Andes. Des choses qui étaient là-bas. On avait traduit tout en latin. C'est ça qui est la question. Bon, mes chers amis. On continue notre lecture d'hier tranquillement. Tranquille. Le décret numéro 75/774 du 18 décembre 1975, portant statut particulier des corps des fonctionnaires de la République, c'est ça? Oui. On continue la lecture de ça. On était au titre 2. Disposition particulière applicable aux fonctionnaires du cadre des administrateurs civils, catégorie A. Ça veut dire préfet, sous-préfet, gouverneur. Organisation du cadre. Article 8. Le cadre des administrateurs civils comporte deux grades. Grade d'administrateur civil principal, deuxième grade. Grade d'administrateur civil, premier grade. Article 9. La répartition des effectifs totaux du cadre entre les deux grades visés ci-dessus doit respecter les proportions suivantes. Grade d'administrateur civil principal. 30%. Grade d'administrateur civil, 70%. Article 10, alinéa 1. Le grade d'administrateur civil principal comprend trois classes, dont une classe alinéa 2. Chacune des cases visées ci-dessus
comporte le nombre suivant d'échelons. Classe exceptionnelle, premier échelon. Première classe, troisième échelon. Deuxième classe, septième échelon. À la deuxième classe, s'ajoute l'échelon unique de stagiaire. Alinéa 3. La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes. D'administrateur civil principal de classe exceptionnelle, 20%. D'administrateur civil principal de première classe, 30%. D'administrateur civil principal de seconde classe, 50%. Article 11. Les administrateurs civils principaux qui ont réuni au moins 5 années de service effectif dans la classe exceptionnelle peuvent être reversés dans les conditions qui seront déterminées par un texte particulier dans la classe hors échelle. Vous entendez ce qu'on a dit? On dit souvent administrateur civil hors échelle. On a dit ça au hiérarchie. Les effectifs des administrateurs civils principaux admis dans la classe hors échelle ne rentrent pas dans le calcul des péréquations des effectifs du cadre. Article 12. Le grade d'administrateur civil principal comprend trois classes, dont une classe exceptionnelle. Alinéa 2. Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d'échelons. Classe exceptionnelle, premier échelon. Première classe, troisième échelon. Deuxième classe, septième échelon. À la deuxième classe, s'ajoute l'échelon unique de stagiaire, alinéa 3. La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes. Administrateur civil principal, administrateur civil de classe exceptionnelle, 20%. Administrateur civil de première classe, 30%. Administrateur civil de seconde classe, 50%. Recrutement dans l'administration. Les administrateurs civils principaux sont, compte tenu des besoins de services recrutés, 1. Sur titre, parmi les candidats titulaires à la fois du doctorat d'État en droit ou des sciences économiques ou d'un PhD en droit, en sciences économiques ou en administration publique ou d'un diplôme reconnu équivalent à l'un des titres ci-dessus et du diplôme de sortie du cycle A de l'école d'administration et de magistrature, section d'administration générale et d'économie finance
l'obtention du diplôme de l'école de formation doit être concomitante ou postérieure à celle du doctorat. Petit 2. Par voie de concours professionnel, ouvrant aux administrateurs civils âgés de 45 ans au plus et justifiant d'au moins 5 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l'année du concours. Petit 3. Par voie d'avancement de grade au choix. Parmi les administrateurs civils âgés de 45 ans au moins et justifiant d'au moins 10 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l'année considérée et n'ayant jamais bénéficié d'un avancement de grade au choix au cours de leur carrière. 4. Les administrateurs principaux peuvent être choisis en dehors du personnel du corps de l'administration générale parmi les personnes âgées de 40 ans au moins et ayant exercé pendant au moins 10 années consécutives certaines fonctions de haute responsabilité politique ou administrative dans les services publics, parapublics ou dans les organismes internationaux. Là, vous comprenez pourquoi ils vont se battre. Ils vont se battre à l'international en espérant rentrer au Cameroun via un réseau. Il est fonctionnaire. Voilà ça. Article 14. Les administrateurs civils sont compte tenu des besoins de services recrutés sur titre parmi les anciens élèves titulaires du diplôme de sortie en cycle A de l'École nationale d'administration et de magistrature, section administration générale et économie, finance. Petit 2. Par voie de concours. Ouvert aux secrétaires d'administration principaux âgés de 45 ans. Au plus et justifiant d'au moins 5 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l'année du concours. Les intéressés peuvent être astreint à un stage de perfectionnement d'une durée maximum de 6 mois. Par voie d'avancement de grade, au choix. Parmi les secrétaires d'administration principale âgés de 45 ans au moins et justifiant d'au moins 10 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l'année considérée et n'ayant jamais bénéficié d'un avancement de grade au choix au cours de leur carrière. Les intéressés peuvent être astreints à un stage de perfectionnement d'une durée d'au moins 6 mois. Article 16. Alinéa 1. Tout recrutement dans le cadre d'administrateurs civils doit respecter les proportions suivantes. Recrutement sur titre. 70%. Recrutement par voie de concours professionnel, 20%. Recrutement par voie d'avancement de grade au choix, 10%. Alinéa 2. Les places non pourvues par la voie de recrutement sur concours professionnel peuvent être attribuées au recrutement sur titre. Article 17. Les candidats recrutés au deuxième grade du cadre des administrateurs civils sont nommés de la manière suivante. Petit A, les candidats recrutés sur titre
sont nommés titulaires en qualité d'administrateur civil principal de deuxième grade, de deuxième classe, troisième échelon. Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d'avancement de grade au choix sont nommés au premier échelon de la deuxième classe. Toutefois, ceux qui, en qualité d'administrateur civil, bénéficieraient déjà d'un indice plus avantageux sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ce reclassement ne doit pas avoir pour effet de permettre aux subordonnés au choix. Ils bénéficient, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice dégressive. En cas de nomination à indice égal, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur cadre d'origine. En cas de gain d'indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d'ancienneté ci-dessous. Au-delà de 30 points d'ancienneté supprimés, de 22 à 30 points d'ancienneté diminués, de 3 quarts, de 12 à 21 points ancienneté diminuée de 1 demi, jusqu'à 11 points ancienneté diminuée de 1 quart. La classe d'échelon de nomination des personnes recrutées par voie prévue par l'article 13 alinéa 4 ci-dessus sont fixés par l'acte de nomination au moment de leur petit d. Au moment de leur intégration, les administrateurs civils principaux qui justifient d'un diplôme de spécialisation du niveau de leur grade obtenu dans les domaines de leur activité auprès d'un cycle de formation au moins égal à 2 années scolaires bénéficient d'une bonification d'un échelon. Les administrateurs civils principaux qui, au cours de leur carrière, obtiennent le diplôme de spécialisation prévu ci-dessus bénéficient également de la bonification d'un échelon. Les bonifications qui ne peuvent être accordées qu'une seule fois dans un même grade ne doivent pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d'être nommés dans une classe dont l'accès est subordonné au choix. Ils bénéficient de cet échelon après franchissement normal de classe. Article 18. Les candidats recrutés au premier grade de l'administrateur civil sont nommés de la manière suivante. Petit a. Les candidats recrutés sur titre sont nommés au premier échelon de la deuxième classe. Toutefois,
ceux d'entre eux qui, au moment du recrutement, justifient d'une licence en droit ou en sciences économiques ou comptables reconnus équivalents sont nommés au deuxième échelon de la deuxième classe. Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d'avancement de grade au choix sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titulaires qu'après avoir effectué un stage d'au moins un an pendant la durée du stage. Ils perçoivent éventuellement une indemnité compensatrice à l'aspiration du stage, ce dont la manière de servir a donné satisfaction sont après avis de la commission de qualification compétente titularisée en qualité d'administrateur civil de seconde classe, premier échelon. Toutefois, ceux qui, en qualité de secrétaire d'administration principaux, bénéficient déjà d'un indice plus avantageux sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ce reclassement ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d'être nommés dans une classe dont l'accès est subordonné au choix. Ils bénéficient, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice dégressive. En cas de nomination à indice égal, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine. En cas de gain d'indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d'ancienneté telle que prévue à l'article 13 ci-dessus. Les autres stagiaires ont après avis de la commission de qualification compétente, soit licenciés de leur emploi de stagiaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an, à l'issue de laquelle ils sont titularisés ou licenciés de leur emploi de stagiaire. Petit c, au moment de leur intégration, les administrateurs civils qui justifient d'un diplôme de spécialisation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur activité après un cycle de formation, au moins égal à deux années scolaires, bénéficient d'une bonification d'un échelon. Les administrateurs civils qui, au cours de leur carrière, obtiennent le diplôme de spécialisation prévu ci-dessus, bénéficient également de la bonification d'un échelon. Cette bonification qui ne peut être accordée qu'une seule fois dans un même cadre ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d'être nommés dans une classe dont l'accès est subordonné au choix. Ils bénéficient de cet échelon après franchissement normal de classe. Article 19. L'année de stage, à l'exclusion de la période éventuelle de prolongation, est considérée comme ayant été passée au premier échelon de la deuxième classe lors du calcul de l'ancienneté en vue de l'avancement au deuxième échelon du fonctionnaire titulaire. On va continuer avec le titre 3, les avancements. Voilà, mes chers amis, il faut savoir, les gens qui nous dirigent, comment est le mécanisme, leur mécanisme.
C'est très important pour un bon citoyen. Il doit savoir qui il a en face de lui. Parce que si tu ne sais pas, quelqu'un va te dire je suis administrateur civil principal, alors qu'il ne l'est pas. Je suis ceci, je suis ceci, je suis cela. Or, tu dois savoir qui est administrateur civil principal, qui ne l'est pas. Chers amis, Rose, on a fait combien de partages, s'il te plaît? Une fois de plus, j'exhorte encore notre grand frère Paul Eric Kingé. J'exhorte encore une fois de plus notre grand frère Paul Eric Kingé de bien lire la loi sur la décentralisation. Il faut créer société communale d'éjection des ressources minières de la ville de Ndjombe Penja, grand frère. La mairie aura le droit d'avoir 30% d'actions dans cette société et les autres partenaires extérieurs vont se partager les 70%. C'est ce que la réglementation dit, grand frère. Donc, j'ai vu que vous avez scellé les carrières. Grand frère, ce n'est pas une bonne décision. Créez la société et vous convoquez ces gens. Grand frère, ça va vous aider. Vous avez besoin de l'argent. Sceller n'est pas une bonne chose. Créer la société de gestion de ressources minières de la ville de Ndjombe Penja. La commune aura droit à 30%. Si cette entreprise était créée, les 6000 camions de Pouzalan livrés lors de la construction du deuxième pont sur le Vouri, la commune de Ndjombe Penja allait beaucoup profiter. C'est parce que les gens ne savent pas la réglementation. Créer l'entreprise d'éjection des ressources minières de Ndjombe Penja, vous allez voir, votre commune va engranger encore beaucoup de dividendes. Je vous remercie. Passez un bon week-end. On se prend demain. On se fie aux experts. Pour les petites et les grandes questions, on... Sur mon chemin de ta poche.
Il sera vivre à mes
Patrick, tu comprends exactement le problème. Ce que tu me décris là, c'est exactement ça. On a présenté l'État comme Jésus-Christ. Et que les populations doivent seulement subir ce que l'État dit. Les populations ne peuvent pas proposer l'État. C'est pour ça que les fonctionnaires cherchent à ramener tout ce qui est comme petit financement à, que c'est eux qui doivent gérer. Tu vois donc là maintenant, là, toi et moi, on se comprend sur l'histoire des avocats. Il faut que les populations s'imprègnent. Chacun doit marcher avec les textes de sur la décentralisation. Quand les gens vont comprendre quel est le pouvoir que la décentralisation leur donne, les choses vont changer seules. Mais tant que les gens restent passifs, pensant que le maire fait ce qu'il a à faire, on ne doit pas lui poser de questions, pensant que c'est l'administration qui va venir. Non, ce n'est pas ça. Car c'est pour ça qu'il faut lire ces choses pareilles. Que les gens comprennent. Il faut s'intéresser à la gestion quotidienne. Construire la mairie des États à 400 millions, si c'était moi le maire, j'allais prendre 100 millions. Dans les 400 millions, j'ai créé une entreprise agricole. Avec un seul tracteur. Je dis bien un seul tracteur. Moi-même, je divise ça en deux. Je prends un tracteur. Je prends un bulldozer. Le tracteur avec les outils derrière. Je prends tout genre d'outils. Le bulldozer, c'est à renverser les arbres, faire la place pour l'agriculture. Ah, vraiment de Dieu, je ne sais pas. Il faut que les maires comprennent que le développement va d'abord commencer si on maîtrise la création de la richesse. Les maires qui ne vont pas faire ça, ils vont faire ce que le colon a fait, appauvrir les gens. Moi, je ne fais que parler de ça tous les jours. Nous, on a compris ça. Vous allez voir. Je donne rendez-vous aux gens. Je donne rendez-vous aux gens en 2000. Les gens blancs, les gens vont voir. Les gens vont voir. Tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma
ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, yeah. Il était toujours entouré par ma famille. On reste posé, mais ma famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la toille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux, yeah. Certains pour faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit jeu.